Ah, c'est fait! Edmund le prince et Prince Ulrich le pingre. Rançonné. Ah bah je crois que l'autre est aussi pingre que vous. La victoire est nôtre en ce jour. Et on met la communauté à Une noble sac. victoire, mon roi. Voilà. Nous avons triomphé. Comme ça c'est à moi. Et en plus de ça, logiquement, je suis pas censé être excommunié. Alors, eux, ils vont manger dans le dentier, mes soldats. Oh là 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 là. Ils sont pas sur un pont, que je sache. Ah, quoique, quoique, quoique. Si, on est sur un pont. Alors, c'est le roi. Bon. C'est le roi, mais j'ai que dalle pour résister à de la cavalerie. Aïe, 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 aïe. Capitaine Guilherme, capitaine Georges. Je vais la tenter, honnêtement, parce que j'ai bien envie de leur offrir une résistance ici, quoi. Pour la gloire du royaume de France. Exact. Aux armes, mes amis. Voilà. Donc ils savent très bien qu'ils vont périr, mais qu'ils peuvent offrir du coup. Ils peuvent faire diversion. Si on gagne cette bataille, là, l'autre grosse armée tentera très certainement de nous rentrer dans l'art. Là, on se repliera. S'ils nous poursuivent, ben, ce sera le sacrifice ultime pour finir à le Portugal, quoi. Bon. Allez, les gars. On va y arriver. J'ai confiance. On a tous peur. On va commencer la bataille. Bientôt. Commencer la L'ennemi a fait bataille. venir des renforts dans l'espoir de compenser par le nombre leur manque de courage. Allez. Allez. Alors là, ça va être un peu moins jojo. Accidenté pour aller me planquer. Je peux tenter de les laisser venir. La catapulte, est-ce qu'elle tirera jusque-là? Je ne sais pas. J'en sais rien du tout. Ce que je sais, c'est que je peux toujours installer mes arbalétriers là-haut et me mettre en retrait avec les troupes combattantes. Ouais, je vais faire ça. Je vais me mettre en retrait ici. Eux, ils vont voilà, se mettre comme ça. Et on va commencer la bataille. Alors par contre, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais fragmenter mes troupes. Parce que j'ai un petit peu peur que les catapultes tirent juste derrière. Drôle de formation quand même. Bon, là où il faut que mes hommes tentent de tirer, est-ce que je vois les chevaliers normands dans les environs? Oui. Bon, allez, je prends le risque, j'envoie ceux-là là-bas. Après tout, je suis en hauteur. Ah, ils ont détaché. Excellent, ça. Ils ont détaché du groupe de tête leur catapulte. Ils vont tenter de les faire passer derrière moi. Pas mal.
C'est pas mal et c'est intéressant. C'est intéressant stratégiquement de leur part, mais c'est surtout très intéressant pour moi. Oh yes. Alors maintenant nous voilà, il faut qu'on attaque là. Il faut que ça tienne. Font super mal. Hop. Alors les arbalétriers, il faut que je les groupe. Et il faut que je leur ordonne de tirer là-dessus. Lui, mon général, il faut que je lui ordonne de descendre aider ses troupes. Sinon, elles vont pas aimer du tout ce qui va se passer. Ouais. C'est intéressant ce qu'on est en train de faire. C'est intéressant ce qu'on est en train de faire à ces gardes du corps. Allez, flanquez, flanquez, flanquez. Voilà. Oula. Oh là là. Il faut que mon groupe d'arbalétriers charge maintenant. Hop. Allez, putain. Je suis toujours en train d'essayer de choper leur général là. Il est où d'ailleurs ce général? Je vois pas. Il est là. Juste là. Allez, bon sang, ce sera pas si difficile de le mettre à mal. Qu'est-ce qu'ils font là? Grand Ouais, joie! Le général bien. ennemi est mort! Que l'enfer accueille son âme! Derrière, derrière les mecs, derrière, sans déconner. Excellent. Excellent. C'est exactement ce qu'il me fallait. C'est une victoire qui nous a coûté beaucoup. Avec cette espèce d'affrontement là dans la montée. Heureusement que j'avais cet avantage. Allez, zou! Toi, t'as le droit de les poursuivre, t'es léger. Tiens, est-ce qu'on peut réussir à rattraper sa garde? M'étonnerait, mais bon.
comme on ne sait jamais, ils ont tendance à ramer un peu du cul. Ouais. Alors, ceux-là. Hop. Allez, zou. Oh merde! Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Putain, ils essayent de récupérer leur catapulte, j'hallucine. Allez. L'ennemi est en fuite. Parfait. Fin de la bataille. Excusez-moi, hein, mais je parle pas parce que je suis un peu concentré. Le coup des catapultes là, des artilleurs qui sont revenus aux catapultes, ça m'a un peu fait. Donc. Rançon accepté, voilà. Et du coup, la Sicile qui se retire. Bien. L'Égypte, du coup, qui va tenter une sortie. Bonjour, Al-Mustamik. Ouf! Wouah! Putain! Si ça, ça sent pas la charge de cavalerie, ben je sais pas qui je suis, mais. Gloire au roi de France! Je suis pris pour le dernier des imbéciles, en tout cas. S'il charge pas là, là dans une charge, une espèce de charge épique, je comprends pas trop ce qui va se passer. Donc là, c'est mon infanterie qui va vraiment servir d'appât et ma cavalerie qui va venir sur les revers. Mais ça serait surprenant qu'il ne charge pas. Déjà, vous vous lâchez. Ouais. Hop, vous vous mettez là. Nous, on va aller se positionner là. Alors là, vous, honnêtement, vous êtes dans un état déplorable, pitoyable. Je veux pas être méchant, hein, mais vous avez plus l'air de rien. Et on va se dépêcher d'aller là. Toi, je t'ai pas dit de venir là par hasard? Wopo yopo le pou 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 pou. Il se passe quoi là? Oh wow, gros bazar. Sur gros bazar. Énorme, énorme bazar. Rien de ce que j'avais prévu là. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Tiens, tiens, fonce dans ce tas-là, là. Voilà. Ça me fera plaisir. Tel fier qui ne tue pas. Ah bon? Et du coup, je vois dans la ville. Bah oui, bah pourquoi pas, hein. Laissons-le sous bonne garde, qu'il contemple la défaite de son armée. Youhouhou! Allez! C'est le bordel! C'est plus une bataille, c'est un bordel. C'est ça, c'est. Allez. Voilà. Ça se laisse massacrer gentiment, merci.
Voilà, ça c'est fait. Quelle horreur! C'est. C'est un massacre sanguinolent. Ça part en vrille de partout. Jamais vu ça de ma vie. Tiens, vas-y, fonce par là, toi. Parce qu'apparemment, ils vont quand même avoir besoin d'aide. Hop, celui-là. De toute façon, à mon avis, vu ce qu'il va se prendre. Les pleutres d'en face s'enfuient. Fin de la Une bataille, victoire aussi victoire nette. éclatante Alors laisse là, encore je me suis combattants, fait vertueux. un nombre de généraux qui est assez effarant. Seigneur, la Je victoire mets la vôtre se communauté à joue. sac. Levez l'oriflamme! L'armée de France est vic. Et victorieuse, effectivement. Il s'est marié avec Jeannette. Oh, ma réputation auprès du pape a souffert de manière significative. Zut. Bah, tu sais quoi? Il n'a pas signalé que pour le moment, il y avait des gens qui l'excommuniaient. Donc, personnellement, je me sens bien à l'abri quand même. Rapport de construction, Angers cathédrale. Bah, tu vas faire une grande cathédrale à Angers parce que j'ai pas trop envie que le pape me fasse encore des siennes. Alors, à Léon, les irrigations, tout ça, tout va bien. Pampelune, le quai des marchands, c'est nickel, donc hop. Saragosse. Saragosse, je trouve qu'il y a une perte de foi Serviteur de Dieu, là-bas. sois connu. Voilà, déjà. Merci d'être venu. Au revoir. Pampelune, le quai des marchands, oui. Saragosse, le quai des marchands, oui. Mais Saragosse, il faut que je fasse quelque chose. Ajaccio, tiens, fais donc un marchand. Francfort, l'abbaye, ouais. Gaza, la citadelle, oui. Donc on va faire des tours à baliste parce que. Acre, la citadelle, oui. Tah, yes. Comme ça, si les Mongols viennent, j'aurai quand même de quoi résister un brin. Acre, ok, Stockholm, grand marché, eh ben fais donc ça. Oslo, l'hôtel de ville, c'est bon, fais donc des routes. Faction réconciliée, l'Écosse. Construction approuvée, Angers. Amélioration de la caractéristique, blasphémateur exécuté. État pontificaux, les relations sont très bonnes. D'accord. Bah, pour un mec qui était pas censé. Je me suis fait virer de Dongola. Ouais. Oui, mon roi. Je me suis fait virer Très de bien. Dongola. J'aime pas Nous allons trop camper ça. ici. Donc, les courses annuelles ici, ça va devenir des courses mensuelles. L'imposition, elle va baisser un petit peu. On va faire une église. Ça les aidera à y voir un peu plus clair selon nous. Putain. Alexandrie, elle est remplie à ras-bord de rebelles. Comment puis-je vous servir, mon roi? Eux, ils se sont barrés, littéralement. Ils ont vu que ça servait à rien de venir m'emmerder. Seigneur, Du coup, oui, mon hop, roi. hop, 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 allez, Seigneur, zou, vas-y, balance. à vos ordres. Ouais, enfin, on va d'abord, hein, s'occuper. Blessé. Alors, caserne de la milice, ça m'apporte quoi? Une milice de piquiers. Peut former un mur de vouge. Bonus contre cavalerie, bonus de combat. Très longue vouge. Le piquet est utilité de base de l'armée du Moyen-Âge tardif. Alors, ouais. Et alors. Total défense 1. Ma milice équipée de faux chars, un total de défense de 6. Bitch, please. Attaquer 7, attaquer 5. Bonus de charge 2. Ouais. Donc, eux, ils sont plus. Ouais. Bonus de combat contre la cavalerie, très longue vouge.
Efficace contre les armures, nous c'est bonus contre cavalerie. Bah je préfère encore mes fauchards. Hein. Je dois vous avouer que là. Je préfère de loin mes fauchards. Donc par contre, je vais continuer à faire évoluer mes armures. Oui, Que monseigneur, toi où est là, mon roi? Enguerrand, Où est mon roi? Tristram, Fusion des forces en cours. tu vas. Hop! Tiens, tu vas te faire une petite armée. Et tu vas Gloire à aller. notre roi! Oula. À l'attaque! Oulala. Pour l'honneur de la France! D'accord. À l'attaque! Ouais, non, il peut se les faire, je pense. Il y a lourdement moyen qu'il se les fasse. Par contre, quand j'aime pas trop ça, il y a une flotte. Une flotte anglaise qui est juste là. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais c'est pas super cool. Toulouse, c'est bon. C'est Milan qui avait des problèmes, il me semble, au niveau de l'assujettissement. Ouais. Qu'est-ce qui leur arrive à Milan? L'imposition est élevée. Du coup, ça leur plaît pas. Je vais faire un palais du maire. Ça devrait les occuper. Et nous, par contre, il Un faut honneur. que... Bonjour. Oui, seigneur. Nous nous apprêtons au combat. Dieu soit remercié pour cette victoire. Voilà. Comment puis-je vous Et servir, tu mon sais roi? quoi, mon vieux? À vos ordres. À la bataille. Voilà. Pour l'honneur du roi. Ce sont des catapultes. Ouais. Il n'y a pas un seul truc de cavalerie. Par contre, en face, ils en ont plein. Et c'est moi qui suis l'attaquant. Ça ne me plaît pas. Pas, donc je me retire de la bataille. Oui, mon prêt à Toi, tu servir. viens là. Je rassemble nos forces afin Tu d'assurer la tentes une attaque victoire, de c'est nuit. parfait. Gloire à notre Parce que j'ai roi! vraiment À besoin de la faire. l'attaque! Honnêtement, vous connaissez la tactique. Donc, tenter une attaque de nuit. Voilà. Homme perdu 1. C'est Oui, exactement ce que j'aurais perdu. Rançon acceptée. Seigneur, la victoire On est assiège nôtre la à ce ville. Il n'y jour. a pas de souci. Il n'y a pas de Seigneur, mal. oui, Tout est seigneur, bien qui nous finit. nous apprêtons au combat. En position D'un de autre siège, mon côté. roi. Comment ça Nous se ne passe perdrons pas de ici? temps, mon Bien, roi. parfait. C'est exactement ce que je... Les Mongols, je me demande où ils sont. Parce que ça m'inquiète un petit peu. On n'en entend plus parler. J'aimerais bien savoir. Je suis relativement curieux de savoir comment a évolué le monde ces dernières années. Prêt à servir. Bien sûr, seigneur. Sachant que moi, ben, ça a très bien évolué, quoi. Les écuries du comte, ouais. Pamplune. Hop, tiens, tu Oui, vas c'est envoyer un vrai. prêtre Qui histoire de peut calmer plus être, celui-là, là. seigneur? Ils connaîtront bientôt le jugement divin, serviteur de Dieu. Ah, il sait. Je sais pas comment j'ai fait pour. Enfin, Jérusalem, ouais. Gaza, oui. À vos ordres. Oh, il y a Nous moyen, allons hein. engager le combat. Y a moyen d'appuyer un petit peu sur Dongola. Antioche, qui voit toujours les mecs s'approcher. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Pourquoi il y a un Saragosse? Ben, ma population auprès du peuple À la baissera légèrement, bataille! écoute, hein. Pour l'honneur du roi! Le siège a commencé. Armée de siège au rapport, mon roi. Comment puis-je vous servir, mon roi? Oui, Ça ne mon me roi. pose aucun souci. Ouais. Par contre, là, si ça va poser souci, je pense. S'il tente une sortie. Un honneur! Gloire à notre roi! Allons Alors, voyons quitter ces voir. terres, où nous vous les ferons quitter. Ouais. Le sultan attend votre perte avec C'est quand même impatience. relativement Fidèle. méchant, ce qu'ils ont. Faut que j'arrête avec mes relativement. Donc, Paris, ils ont un conservatoire, ça me donne quoi? Ok, un bonus. Je vais faire un poste de sécurité civile. Hambourg, oui. Alors, Caen, l'arsenal.
Milan, auberge. Ouais, pourquoi pas. Hein. Florence, le bordel. Une chambre du conseil à Bologne. Je sens qu'on va faire à peu près la même chose. Une maison communale. Non. C'est gentil, mais. J'ai jamais dit de faire ça. Toulouse qui vient d'évoluer. Ça va mieux à Toulouse? Un petit peu. Chambre du conseil. Excellent. Bologne, j'ai déjà vu. Le Caire, une petite église, ça mange pas de pain et on va faire évoluer les murs. Bien. Milan, les tours à canon sont réparées. Le Caire, c'était aussi de la réparation. Écoute, nous sommes la faction la plus puissante, en toute logique, oui. Maintenant, ce qu'il faut que je sache, c'est ça. Ça abrite une grosse armée quand même, Seigneur. j'ai pas envie de me faire choper comme un con. Ici, il y a quoi? Pas grand-chose. Marseille, Oui, personne. Seigneur. En même temps. Ah, mais il y a quelqu'un qui arrive à Paris. Bah bien. Ouais, enfin les trébuchets maintenant, tu sais. Je peux me permettre de les virer sans autre forme de procès. La Pologne, une armée polonaise ici, comme c'est surprenant. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être pour ma pomme. Seigneur, à vos ordres. Seigneur, à vos ordres. Hop. Seigneur. Là. Oui, mon roi. Et À vos je crois ordres. que j'ai perdu du coup une Oui, unité mon roi. d'infanterie. Pas grave, on va pouvoir la re-recruter. Nuremberg, comment ça se passe? Plutôt bien. Ici, il n'y a pas de raison de s'alarmer. Et pendant ce temps, on assiège Vienne tout tranquillement. C'est le roi René qui va mettre fin comme ça à une guerre qui dure depuis très longtemps. Et puis lui, il vient de se farcir l'hérétique là. Boum. Ça fait plaisir. Faudrait que je reprenne Dongola. Bah, la Sicile, j'avais pas prévu de l'attaquer, donc bon, elle rattrape forcément le coup. Alors, les Égyptiens qui m'attaquent. Ils ont beaucoup de cavalerie, mais aussi beaucoup d'archers, ça me saoule un peu. Et le prince héritier Nasser, il a quand même de la cavalerie arabe à pied, avec, mais c'est juste des lambeaux d'armée, quoi. Donc Enguerrand Tristram, bienvenue dans les restants de la croisade. Si tu réussis ce coup-là, tu pourras te vanter d'être aussi puissant et aussi brave que tes ancêtres. Qui ont foulé cette terre, qui l'ont conquise, reconquise, re-reconquise. Parce qu'il n'y a pas à dire, Jérusalem, elle s'est quand même soulevée pas mal de fois. Donc on va commencer le déploiement. Et j'ai envie de dire qu'on va se placer tout tranquille. Qu'on... Oh oui, bah forcément. Ah bah, pfff. Eh, tu m'étonnes que je gagne. Ils vont être forcés de passer par là. Pas mal ça. Bonne idée. Une bonne chose. C'est une bonne chose, une très bonne chose. Donc, hop, hop. Comme on ne sait jamais, on va positionner ça là. Et puis ici, sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner nos hommes là-haut, dans cette, en haut de cette espèce de goulet. Et on va commencer L'ennemi la fait venir bataille. des renforts dans l'espoir de compenser par Oui, le bah, nombre leur manque de parfait, excellent. courage. Regardez-moi ça, on est en plein sur les contreforts montagneux. Donc en fait, ils vont être complètement fatigués quand ils vont arriver.
Ils seront morts de fatigue. Et en plus de ça, ils se prennent nos tirs ou... Je sais pas, j'ai pas l'impression. Il y a des flèches qui tombent ou... Ils tirent sur l'ennemi selon... Selon Capwick. Ils font que dalle, ouais, surtout. Moi, j'ai envie de dire qu'on va se positionner là. On va se positionner là. Que la cavalerie là. Elle va venir se mettre ici. Ah, mais je peux carrément venir les bloquer là, quoi. Excellent. C'est juste tout bonheur. C'est tout bénef pour moi, ça. Ils sont forcés de passer ici. Donc, voilà, je peux faire descendre mes troupes tranquillos ici. Je peux faire passer les autres là. Et ici, logiquement, peuvent pas monter. Sauf peut-être par là. Mais s'ils tentent de passer, ben je vais ramener ma cavalerie ici. Tout tranquille. Voilà. Donc déjà en fait ça va leur mettre ça va leur mettre pas mal de temps de monter là-haut. Hop, voilà. Tire, Roger, tire. Excellent. Bon, c'est pas non plus super probant, hein. C'est pas des régiments d'arbalétriers placés partout. Qui ont une bonne vue sur ce qu'il y a en bas. Là, c'est plus des archers montés qui tirent comme ils peuvent. Ils sont défaillants. Tu m'étonnes. Hop. Et j'ai plus qu'à attendre de nouveau que ça se pointe. Allez. On va plutôt tirer sur la cavalerie du désert, les gars, parce que là... Alors, directement, je leur dis d'arrêter de tirer. Allez. Et mes hommes, ils vont se replacer. J'ai eu une perte au total avec tout ce qui s'est passé là. Honnêtement, ça va. J'ai connu pire. Donc la colonne est en train de monter lentement.
C'est ce qui s'appelle un imprévu pour eux. Ils vont complètement se fatiguer à monter tout ça. Alors par contre là, j'ai mes soldats qui se prennent des tirs. Faut pas non plus déconner. Et les mecs, comme ils arrivent au compte-gouttes, ils perdent le moral au fur et à mesure. Pas mal. Tiens, ils ont encore quelque chose à me dire là, les Mamelouks? Parce que. Voilà, il aurait fallu voir arrêter de m'emmerder. Allez, Zou tire dessus, lui. Cavalerie arabe. Ouais, ils ont commencé à monter. Pourquoi pas? Ah, et là, les mecs qui viennent d'arriver, ils se disent bon. Ils se sont relativement bien positionnés. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le bonus de charge, on est fatigué. Et en plus de ça, on se fait harceler par des tireurs. Ils en ont perdu un, ce qui prouve qu'on a quand même un avantage assez solide. Ici, ça va être un gros massacre parce qu'ils ont réussi à s'en mêler tous autant qu'ils sont. Allez. Ah, c'est des archers mamelouks, chier. Bon bah on va attendre. Ah, le contact va pas tarder à s'installer. Voilà, ça monte déjà. Allez, tenez la position, on est bon. Bing, allez Zou, tu mets fin à sa vie, à lui aussi. Allez, un coup d'épée Maurice, un coup d'épée. Moi c'est pas Maurice monsieur, c'est Jean. Bon, et ben Jean, si tu veux. Oula, mais c'est que... Il se rebiffe. Voilà. Voilà. Excellent ça. Encore. Oula, de ce côté-là, par contre, pas que je vais être méchant, mais ça tient comme ça peut.
Allez, on fonce. On y va, on y croit. Allez. Allez, zou. Faut qu'on trouve leur général. Qu'on le tue. Qu'on lui fasse regretter. Allez, zou. Chopez-le, trouvez-le, tuez-le. Ça se passe comment là-bas? Ça se passe pas terrible, terrible. Pour le moment, on tenait bien et puis là, alors la victoire est assurée. Ouais, il faudrait réussir à buter votre général. Putain, j'ai déjà une unité qui flanche. Allez. Donc là, je suis en train d'essayer de mettre fin à la vie de leur général. Le problème, c'est qu'ils ont vraiment trop d'archers, quoi. Ça se passe comment de ce côté-là? Ça se passe comme ça peut. Ici, ça se passe aussi comme ça peut. Allez. Allez, zou! Bute-le, allez! Voilà! Bien! Déjà, ça en fait un. Ces troupes vont perdre cœur. Allez, maintenant, on charge sur le... sur l'autre. Voilà, ça commence à se céder. Nous, faut qu'on abatte ça. Comme on peut. Et de l'autre côté, il faut qu'on fonce aussi. Parce que là, ici, pas que ça commence à craquer, mais ça commence à craquer. Allez, vous me le butez. Les autres, vous foncez là-dedans. Si on réussit à se le choper, lui. Allez, excusez-moi, hein, je parle pas, je commande pas super bien aujourd'hui lors de cette session. Mais bon, je suis un petit peu sur les dents parce que cette bataille, j'ai choisi de la faire là. C'est comme certaines autres que j'ai choisies aujourd'hui et en les faisant, je suis un petit peu sur les nerfs parce qu'il y a un enjeu derrière. Lui, là, voilà, il faut qu'on se le fasse. En plus de ça, si mon général meurt là, c'est catastrophique. Allez, butez-le. Le mec, il est tout seul au milieu de tous mes chevaliers et il le tue pas. Allez. Putain, mais...
C'est bon quoi, le mec. Le mec, il est en train de tous nous. C'est. Il est en train de nous frapper. Il va pas tous nous tuer. Putain. Mais il est. Tuez-moi ce mec! Voilà, bah merci. Enfin, qui comprend, hein, sur les 10 qui sont couchés là. Voilà. Allez, zou, maintenant, on fonce. C'est défaillant. Ça continue à être défaillant. Ça continue. Allez, zou. Ici, ça se passe comment? Ça se passe pas franchement bien. Faut que je fasse revenir une unité dans le dos de ces mecs, parce que sinon, on est mal barré. Ici, comment ça se passe? Ça passe comme ça peut. Bon. S'ils sont en train de s'évaporer un petit peu aux quatre vents, pas plus mal, tu me diras. Je ferai pas poursuivre la bataille pour le coup, parce que là, poursuivre la bataille là-dedans, c'est bon quoi. Ça va aller 2 minutes. Le sadomasochisme, très peu pour moi. Bon alors, quelle unité est encore debout actuellement pour m'embêter de la sorte? Qu'est-ce qui... D'accord, ok, c'est ça. C'est les catapultes. Bon, bah on va accélérer un petit peu. Voilà, donc les catapultes qui sont restées là tout au long du jeu et qui doivent se demander ce qui est en train de se passer. Tiens, j'en ai une qui va foncer quand même sur celles qui sont là-bas parce que c'est pas tout ça, mais... Voilà. Et en fait, eux, ils sont totalement frais et dispo. Donc ils sont en train de nous dire « Bitch, please, nous, tout va bien ». On n'est pas fatigué. Vous, vous êtes complètement mort. Les pleutres d'en face s'enfuient. Fondons sur eux. Fin de la bataille, merci. Eh ben celle-là, honnêtement, elle a été monstrueuse. Rançonné, ils ont rejeté la rançon. Logique, ils ont plus d'argent. Et Damas tombe ainsi sous l'égide de la France, je vais mettre la communauté à sac. Ah bah ils avaient quelqu'un dans le bateau, c'est bête. Alors les états pontificaux sont encore en train de mener la charge sur mes seigneurs à moi. Je vais lâcher Dongola pour le coup parce que là... Mon dieu. Est-ce que je la fais? Ils ont des chameux, ils ont des vougiers chameliers, des archers nubiens. Des guerriers tribaux soudanais. Des javeliniers soudanais. Non. Non, celle-là, je la gagnerai pas. Très honnêtement, j'aurais pas l'occasion de la gagner. Jugé innocent lors d'un procès. Gerbert Carambeu. Oh ! Un lointain ancêtre de Monsieur Carambeu, peut-être. Et l'Écosse qui s'est encore faite dégager. Bon. Eh ben, c'est dommage. Je vais faire une grande cathédrale à Reims pour asseoir ma domination sur le monde catholique au niveau de la religion. Metz va faire des chants. Bordeaux, un arsenal pour asseoir sa domination économique.